La marche du dirigeant avec Dieu, la chose cruciale, est le thème de la retraite des dirigeants de l'église du Grand Laon qui s'est tenue les 1er, 2 et 3 novembre 2024. Le pasteur gazois Jean-François, missionnaire de cette zone spirituelle pendant 72 heures, a communiqué l'esprit du réveil à ses valeureux soldats, les anciens, les dirigeants d'assemblée, les chefs de département et leurs épouses. Objectif, produit une jeune génération de dirigeants selon le modèle du pasteur Zacharia Taneformoum pour l'avenir de notre œuvre. Le livre du pasteur Théodore Andossé intitulé « Grandi avec l'œuvre » a été exploré tout au long de ces 72 heures. Les dirigeants, de retour à leur premier amour, ont pris de nouveaux engagements pour la conquête dans cette zone. Le troisième jour était donc l'apothéose, l'image du jeune Jonathan du livre de 1 Samuel 14, fatigué de l'oppression que les ennemis d'Israël lui faisaient, s'était levé à faire descendre Dieu et amener tout un peuple à s'engager dans une guerre pour une libération totale. Ce jeune homme, ce jeune frère, jeune dirigeant, jeune appelé, il sentait qu'il était appelé. Il s'est levé. Il dit que non, ça ne doit plus continuer comme ça. Ça ne doit pas continuer comme ça. Non, non, non. Ça ne doit pas continuer comme ça. Oui, quelqu'un doit faire quelque chose. Il dit que je dis que la donne change. Non, 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 non. Jonathan, il est fatigué. Tu as reçu la conviction du Seigneur. Vas-y. La paix de Dieu est sur toi. Par rapport à cette période de retour, le premier amour, nous sommes dit qu'il fallait qu'on ait une retraite et 92% des dirigeants étaient présents. Nous sommes dit que si les dirigeants eux-mêmes sont revenus, c'est que tout le corps va revenir. Toute l'église reviendra. Quand un dirigeant se lève, c'est tout un peuple qui se lève. Donc, pendant que nous sommes en train de revenir au Seigneur, il fallait donc inviter les dirigeants, travailler ensemble pour élaborer de nouvelles méthodes, pour aller relancer les choses. Et ça s'est très bien passé. Et nous rendons gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis donc l'ancien Silas Pouvalier. Sur l'ensemble des 3 jours, nous sommes satisfaits. Parce que les dirigeants ont vraiment répondu présents. Ils sont venus de partout, de toutes les localités de ce département. Les dirigeants des villages, selon la ville, sont également mobilisés et il faut dire que le but, je peux le dire sans me tromper, a été largement atteint. Le frère Anoba Olivier, le dirigeant de Dokodon, nous avons eu la grâce de rencontrer le Seigneur parce que le Seigneur nous a ramenés à la genèse de l'œuvre, comment nous étions enflammés. Et nous avons pris de nouveaux engagements pour aller faire booster les choses afin que le but de la conquête de la région soit atteint. C'est pourquoi nous sommes venus. Et elle s'est très bien passée. Dans le sanctuaire de l'Éternel, les chants d'allégresse ne manquent pas, surtout quand le Seigneur a produit le réveil. <t'->